bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, et aujourd'hui, je suis comme d'habitude accompagné de la douce et l'élégante Miss Big Girl 45. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ça va très très bien, et on se retrouve pour une deuxième ETB destinée de Paldea. Première ETB, ok tiers. Ça va, c'était pas la plus exceptionnelle, mais c'était pas la plus nulle. Non. On peut faire mieux, on peut faire pire. On verra. En tout cas, j'ai été quand même hypé. La sauce commence à monter autour de Destinée de Paldea. Bon, on vous a déjà montré l'intérieur d'une ETB. On va pas vous la remontrer. On est parti, Sophie. Allez, on ouvre. Let's go. On se retrouve devant les 9 boosters. A tout de suite. On a donc ouvert cette ETB. N'oubliez pas déjà le j'aime et le commentaire. Merci à tous ceux qui font un petit effort. Je rappelle qu'on est toujours en exclu hein, de 5 jours avant la sortie. Ça sort le 26 janvier 2024 et on est le 20 si vous regardez cette vidéo, le 21, voilà. Donc toujours une belle petite exclu qui fait plaisir. On est parti avec le premier booster. J'aime et commentaire, dites-nous les cartes, dites-nous votre carte préférée qu'on aura de toute cette ouverture. Et on est parti avec un 9 qui est magnifique. Ouais, ce que j'allais dire, t'as vu, ils sont tous alignés pour une fois. Ouais. Pas en couronne. Non, 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 franchement, magnifique. Il va avec la noix coco qui est tout aussi belle, hein, d'ailleurs. Hein. Tarsal. Alors, les cartes qu'on a déjà vues, on va les passer un petit peu plus vite, évidemment. Terracool qui reprint. Briochien. Le sac de Manzi. Menzi ou Manzi? Bah, j'aurais dit Menzi, moi. Ok, mais bah, Menzi. Hein. On va dire Menzi alors. Singe. Oh, allez, ça commence avec une shiny premier booster. Ouh, hey, shiny full art, Tapato S. Alors lui, il va nous suivre à chaque TV. Je le sens gros comme une maison. J'espère Attends, ça va être le... Tu peux avoir une SAR, hein, Sophie. Ouais, hein. J'espère que ça va être le gros doudou ex des 151. Ah, malheureusement... Non. Donc les familles. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il nous la faut. Et quand on l'a pas, eh ben, on est content de l'avoir pour la première fois. Et Mimiki. Allez, une première full art qu'on va vous montrer, évidemment. Histoire que vous voyez, bon, c'est pas la plus belle, on est tous d'accord là-dessus, mais il nous la faut, parce qu'on l'a pas, voilà, il y a un début à tout, les amis. Alors, c'est bizarre, parce que c'est vrai que quand, moi, c'est ce que j'adore, quand on ouvre une collection qui vient tout juste de sortir, bah, oui, t'es même content d'avoir la merde, parce que tu l'as pas, en fait, tu vois. On est parti. Allez, Tarsal. J'adore remplir les classeurs, mettre les cartes une par une, en ordre et tout. Ah, moi, je kiffe. Patachio. Parce que tu vois accomplir petit à petit, bah tu moi, vois, j'aime les bien trous se bougent. Menzi, oui, bah oui, je sais bien. Fulgulero. J'espère qu'il n'y a pas des reverse qui vont être infernales à attraper. Allez, Fampi reverse. Oh, j'y ai cru. Hein. Briochien. Et recherche professorale. Bon, deuxième booster. Un petit peu en descente, mais c'est rien, je suis serein. Allez, on est parti, troisième booster. Allez, on part sur du Bagliguan. Et je sais ce que tu vas dire, que tu l'aimes pas. Non, parce que ça me... Mordu d'or. Je peux pas. Sa peau qui Magmar. Comme ça. Magmar. J'ai mal pour lui. Menzi. Et donc, on a eu son Hyper sac. Ball. C'est elle, Menzi. Hein. C'est une dresseuse, évidemment. Vu que c'est le sac de Menzi. Oh là, le singe. Petit cours de français, quoi, on se fait plaisir. Farfaduvet. C'est très drôle. Oh. Encore. Oh là là, un starter. Wow. Non, Olivado. Olivado, bien, 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 bien. On commence à un petit peu enchaîner là. Ça fait plaisir cette deuxième ETB. J'espère qu'on va pas s'arrêter à ça. Et Feblo Ball River, c'est noix de coco holo. Donc c'est donc bien une holo en normal. Trop cool, très content. Très content de ce booster. Allez, on est parti sur du Mordudor. Mordudor. Gourmelet. Le Pokémon de Fufu. Nenef. Charbambin. Il est cool, Charbambin, j'aime bien. Ectoplasma. Reptincelle. Allez, peut-être derrière. Fragroin. Non, j'ai cru que ça collait, tu vois. Recherche professorale en reverse. Et Dédé. Une ex. Et une ex. Bruiverne, ex. Bon, il nous les faut. On l'avait pas. Ah ouais, c'était Tapato S le... qu'on avait fait tomber. Bruiverne X, c'est dans Paldea. Ouais, non, 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 ce que je me disais, dans le... tu te souviens, dans le set japonais, tu avais automatiquement une X par chaque booster. Chaque booster, t'avais une X. Ouais, après les boosters japonais régalaient un tout petit peu plus, oui. T'avais deux holos oui, minimum bah oui. Et tout, enfin, c'était très rapide à faire en termes de set classique. Magmar. Patachio. Il nous reste 5 boosters, les amis, avec celui-là. Allez, le sac. Le sac de Menzi qu'on a vu tout à l'heure. Farfaduvet. Et Rio.
Oh. Encore une petite shiny. Bah non, c'est une ETB bah, c'est shiny, bien. Hein. Bah oui, bah c'est très bien. Oh ah bah voilà, bah, ça va, nice. Ça va faire plaisir à Sophie, ça fait gros singe en shiny. Il est beau. Évidemment, il est vert surtout, hein. Il est vert ou bleu, hein. Ouais, il a un petit côté. Allez, tu peux avoir une autre dingue. Dommage. Tiens, protège-moi ça bien. Et tu peux encore avoir une autre dingue. Non. Dommage aussi. C'est la première fois qu'on voit ceci dit cette holo. Allez, Ferrosin shiny. Bien, deux shiny. De shiny, ça avance, ça avance. Tarsal. Sophie, toujours pas de SR, enfin ouais, de, d'alternative. Cool. Attends, Chauve-sourire. Fampi. Bah tiens. Colossinge. Farfaduvet. Attendez, on va zoomer un petit peu. Non. Bagouguay. Oh là là, encore une holo. Encore une shiny. Flottillon. Flottillon. La petite flottillon. Oh, une AR incroyable, enfin. Et imagine une foulard derrière. Triopico. Triopico shiny, évidemment. Ah, je suis très content. C'est dur à faire tomber les AR. Il n'y en a que 3, je rappelle. C'est comme les SR, il n'y en a que 3. C'est Mew, Gardevoir et Dracaufeu. Donc, c'est très dur à faire tomber. Oh, mais bah attends, mais montre-la. Ouais, c'est Motisma. Chaleur. Motisma chaleur, oui. C'est quand il se transforme en four. En forme, forme four. Voilà. Ok, et super. À deux doigts de le classer en temps mieux que la première ETB, bah, presque, tu vois. Oui, parce que là, on a vraiment tout. Et il nous reste 3 boosters, Sophie. 3 shiny, 4 shiny. Ouais, très bien. Donc, une shiny full art et une AR. Toujours. Et j'ai suivi ton Axoloto. Conseil. Des fois, ne pas chercher, prendre c'est la ça. Première. C'est le destin. Voilà. On va peut-être moins se bagarre. 9-9. 9-9. Allez, Ferrosinge. Maintenant, on les connaît déjà par cœur. Flottillon. Colossinge. Oh là 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 là. Il va y avoir un Colossin shiny là. Allez, Bagaïde. Kirlia. Tiens. Oh là là, mais c'est quoi ce délire? Oh, oh, un sécateur. Elle est magnifique, ouais, en plus. Par contre, pour le coup, t'en as une ETB, elle est très très belle. On a une ETB, mais full shiny. Attends, tu peux avoir une alternative et tout. Hein. Tu peux avoir une alternative. Attends, on a ouvert combien de boosters? Il en reste 2, donc on en a ouvert 7. C'est ça? Voilà, je crois. Mort, tu dors. Et tu peux encore avoir un truc. Mais non! Mais on l'avait pas. Parce que je me dis, il y a peut-être une shiny par un booster, mais non. Bon! Super! Franchement, meilleur ETB que la première. J'ai dit presque donc, un par booster. Donc, meilleur ETB que la première. Vraiment. Il nous reste 2 boosters. Allez, on est parti. Il n'y a pas de triche, de tri possible. Allez, Barloche. Belle Barloche. Chamallow qui est très belle celle-là, on l'avait pas vue. Ouais. Ah, tiens, première fois aussi. Ouais, elle est cool aussi, elle est très colorée. Élève de Paldea. Lanturne. Colossinge. Allez, c'est derrière. Parfait. Non, mais c'est quoi ce délire? Bah ouais. Mais attends, mais c'est bugué ou quoi? Et. Oh bah, tiens, là là, Forgela. Bah, c'est mais c'est quoi ce délire, les gars? Punaise, on a. On peut avoir une alternative derrière. Non, malheureusement. Lanturne. Exactu, mais c'est quoi ce délire? Il nous reste un booster. Ça va, ça mais va attends, mais on a eu un truc par booster. On va dire que c'est de la chance. Par contre, si ça se passe sur 5 ou 6 ETB, on peut quand même dire que sur une case, il y a quelques ETB un peu buggés. Allez, Pikachu, élève de Paldea. À chaque fois, il y a toujours un truc avec les ETB. Patachio, Spectrum, oui, c'est vrai ça. Fragouin. Et c'est toujours avec les points 5, évidemment, la plupart du temps. Clove. Quoique dans Paradox, il y a eu quelques bugs. Bah oui, parce qu'il y a tout le temps des bugs. Ah non, fin de rêve. Attends, peut-être. Oh si. Ouais, il y a un truc, y a un truc texturé. Une full art. Oh le délire. Le juge. Eh bah, moi, élève de Paldea. Eh, hey, 2 ETB, 2 élèves. Bon, les gars, y a mais un hit à chaque booster. Chaque booster, on a eu un hit. Incroyable. Mais en tout cas, un booster, un hit, les copains. On est plutôt pas mal. Alors désolé, hein, Sophie, en cadrage, c'est comme quand elle affiche des tableaux, les gars, dans le salon. Non. C'est terrible. Mais non. Mais en tout cas, dites-nous un petit peu votre préféré. Pour le coup, c'est laquelle t'as préféré, toi? Ferrosinge. Oh, l'abuseuse. Franchement, en toute objectif. Hein. Moi, c'est l'air. En toute objectivité, ouais. Moi, c'est l'air. Honnêtement, c'est l'air que je trouve très, très cool. Les Tocopico, c'est ça? Ouais, Triopico. Triopico. Donc, je la trouve très, très drôle. Ouais, ouais, non, Colossin. Hein. Les amis, ça. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Dites-nous en commentaire, d'ailleurs, votre carte préférée de ce tirage. Et on passe à une autre ETB. 4 jours, 4 ETB. C'est sympa. Voilà, ça va, on va se faire plaisir et on va vous faire plaisir. Allez, à bientôt tout le monde. Bye ciao bye. Ciao.